Bonjour à tous, c'est MaxiKMFR, on se retrouve aujourd'hui avec Lucas, salut. Salut. Pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un genre de Wasbat Cross ou de parcours pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, bah vous allez pas tarder à savoir ce que c'est. Alors bah Wasbat Cross, en principe, il y a des Wasbat, sauf que bah là il n'y a pas de Wasbat. Il y en aura dans le prochain épisode. Donc là comme vous pouvez le voir, donc il y a bus, voiture, 4x4, enfin une coccinelle. Pick-up, camion, pulvé, automoteur. Il y aura aussi peut-être Wasbat et faucheuse dans le prochain épisode. Et puis, donc voilà, c'est un petit parcours, un petit peu d'adresse, d'habilité, on va dire. Et on va commencer ça sans plus tarder, on va vous faire découvrir ça. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus, sinon C'est de la détente, hein. Voilà, c'est vraiment de la détente, hein. On cherche pas à rigoler. Excusez-moi si je dis des gros mots à l'avance ou des choses comme ça. Excusez-moi, c'est une des rares vidéos où vous me verrez en dire. Et puis excusez-nous aussi si on rage. Donc tous les engins sont... Merde. Excuse-moi. Je recule. C'est parce que je suis en train de régler mon limiteur de vitesse. Tous les engins sont cheatés en vitesse. Donc j'ai pas l'autorisation de vous donner le lien. Mais par contre, puisque de toute façon je peux pas vous le donner parce que je l'ai modifié, mais par contre je pourrais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment modifier une vitesse sur un véhicule. Franchement ça prend pas longtemps, ça prend une minute. On va commencer tout de suite. Donc au bout des 4 coups de klaxon, donc je vais faire 4 coups et au 4e coup on démarre. Prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Klaxon sympa d'ailleurs au passage. Oh non, mais regardez-moi ça un peu. Ah si, ça va, je passe tranquille. Hop. Donc sur le parcours, vous avez pu voir qu'on a mis des tremplins, on a mis bref tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut pour pas réussir en fait, tout ce qu'il faut pour se planter. Tu disais Eh, je me suis bloqué, je me suis keblo. T'es keblo? Le keblocage. Non, c'est bon, c'est bon. Vraiment? Non, c'est bon, roule, 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 roule. Mais les dodanes en bus, mais c'est un truc de fou, ça. Je peux plus revenir en arrière, hein. De toute façon, si t'es bloqué, là, c'est le problème des dodanes, tu peux revenir entre deux dodanes, mais après les dodanes, après les tremplins, tu peux plus revenir. Je trouve que c'est bien plus maniable, ça. Ah bah un bus là, parce qu'on a testé les Wasbat et les faucheuses avant et c'est vachement dur, c'est pour ça on vous le fera dans le prochain épisode, mais il faut pas mal d'entraînement. Avec les bus c'est un petit peu plus maniable et un petit peu plus facile pour commencer, même si ça paraît pas si facile que ça parce qu'on s'est entraîné hein, quand même. On a fait on a fait quoi? On a fait 4 heures au moins d'entraînement, 4-5 heures. Ouais. Facile. Ouais, mais enfin, pour vous dire, on a fait une demi-journée d'entraînement, quoi. Non, merde, il y a eu beaucoup de déconnes, mais là, t'as gagné, je pense, parce que je viens de me replanter. Ah. Tu t'es planté? Presque. Merde. Là, tu vas reprendre de la vitesse, là, je pense. Enfin, tu vas reprendre de l'avance sur moi. Oh, putain, que virage que j'ai pris, là. Regardez-moi ça, je monte à 100 à l'heure, quoi. Donc, là, on est dans le biogaz, on s'est fait des petits parcours. Je monte à 100 à l'heure dans des silos de biogaz, oui je sais. C'est pas réaliste, oui je sais, mais c'est fait exprès, c'est pour rigoler, c'est pour se détendre, c'est... Parce qu'on fait des épisodes sérieux, c'est bien, mais on a aussi besoin de se détendre un petit peu de temps en temps. Oh purée, la barrière, putain, j'y étais trop vite là. On a besoin de rigoler. Et de se détendre. Oh que oui, la rigolade, c'est bon. Ça je peux vous dire qu'en off on fait que ça, ou presque. Oh mais regardez-moi ça, un peu. Le renversement. Ah bah c'est ça là. Je me suis renversé sur le côté. Oh, oh non. Oh non mec. Oh je suis désolé. Je suis sorti de la partie. T'es sorti du parcours? Je suis sorti du parcours. Tu m'attends au prochain croisement de route quand même. Il est passé par-dessus les ruches ce gars. Oh, oh le fou. Tu m'attends au croisement de route et que je passe devant parce que j'étais devant quand même. Oh putain.
Donc là, c'est un essai de tremplin. C'est que je me suis trompé en le mettant, et puis j'ai pas pris le temps de l'enlever, c'est tout. Allez, à 146 à l'heure, j'ai pris un tremplin. Oh, 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 les ruches. Les ruches aussi, tu t'es planté. Les ruches chasse gratte. Mais les vols planés qu'on fait, mais c'est impressionnant. Mais le... C'est bien les bus sur farming. Hop, et merde, je suis planté. C'est bon, t'es pas planté? Non, c'est bon, je suis pas. Enfin, je me suis planté, mais je me suis déclé blanc. Ah, ouais. Oh, il y a une petite bosse là, elle est chacal. Ah. Il y en a comme ça, on a fait des trucs, c'est pas facile, comme là, on a placé une ruche qui dépasse exprès pour se planter dedans, on a fait vraiment des trucs qui soient pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Oh, mais il est pas loin derrière. Oh merde. Jean-Michel, Jackie. Il est passé. Il est passé le chacal. Day. Oh, day. Oh, merci, mon bon. Oh non. Oh, la déception. Oh, le gros pont. Oh, non. Oh, je suis trop déçu. Oh, non, c'est abusé. Oh, c'est abusé. Ah, merde. Je me suis bloqué. Oh, non. Oh, la déception. Oh, oui. Oh oui. Regardez-moi ça. Non. Oh, il t'est passé par où, mec? Tu m'as roulé dessus. Oui. Oh non, la déception. Oh, la plus grande déception du monde. Oh putain, mais regardez-moi ça. Mais ça y est, tu m'as bloqué, quoi. Non mais con. C'est du n'importe quoi. Oh merde. Oh merde. Heureusement que tu t'es chié. Bon, je crois qu'on peut appeler ça une course serrée. C'est pas fini. Oh, oui. Oh non. Je suis bloqué, quoi. Non mais non. Oh mais regardez-moi ça. C'est... Non mais non. Non non mais je demande ma revanche en coccinelle, moi. Non. Je t'ai explosé, mec. J'ai dégagé. J'ai planté le bus, je sais pas où. Oui, je vois. T'es au bord de la map, en fait. Bon, véhicule suivant. Et véhicule suivant. Putain, la fin était hard. Aïe, aïe, aïe. Et comme vous pouvez voir, c'est très serré. Donc, bon, je pense que c'était une belle course à commenter, plutôt par rapport à ce qu'on avait fait, parce qu'on a fait déjà 2-3 essais de tournage avant. Et là, je pense que c'était plutôt bien à commenter, c'était plus facile à commenter que les autres. Bon, même chose, 4 coups de klaxon, et on continue. Bon, ça va, une course, ça dure pas trop longtemps. Allez. L'avantage est chez Camille. Bah actuellement oui. Et le retournement de la Beatles. Pendant que moi j'avance tranquille. Ah ouais. Bon là on est à 75 à l'heure, c'est moins. Ça va un petit peu moins vite. Mais... La Beatles. Oh le blocage. Et qui est blanc? Ah complètement. Faut que tu me pousses là. J'ai le temps d'arriver alors. Ah oui, faut que tu me pousses. D'accord, parfait. Retournement de situation, c'est le cas de le dire. Moi arriver, mon gars. Oh, t'es bloqué. Oh, mais putain, c'est avec chaud. On est vraiment des bolos, ma parole. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer de passer une roue sur chaque. Oh non, c'est trop nul. Oh non, mais faut recommencer, là. Oh merde. Bah on recommencera l'épisode d'après, on va oui, passer on au véhicule suivant. On recommencera l'épisode prochain, c'est pas grave. On aura la bataille. On les laisse là? Hein? On les laisse là? Ouais, pourquoi pas. Allez, véhicule suivant. Hop. On s'excuse. Ouais, ah bah non, du coup, oui, on va reprendre des voitures. On fera l'épisode suivant. C'est pas grave. Puisque oui, il y aura au moins 2 épisodes, si c'est pas 3, de détente. Ça fera 3 voitures à chaque épisode. Ça fera... Ah ouais, non, mais ça fera... Allez, t'es prêt? Quand tu veux. Non, je suis pas... Non, t'es parti trop. Mais c'est facile, mais non, mais c'était fait exprès. Ouais, non, mais non, faut partir en même temps, c'est mieux quand même. Là, je suis parti avec trop d'avance. Merde, on a fait la même connerie. C'est parti. Non, on a fait la même connerie, putain.
Attends, je remonte, j'arrive. On a fait la même connerie, on avait laissé une marche arrière. Je m'en doutais, j'ai dit, putain, j'appuie sur l'accélérateur, j'ai l'odider, j'ai pas le temps de regarder si je suis en marche arrière. Allez, recule un poil, voilà. Allez, c'est bon, on marche avant. Hein. Ouais, je suis marche avant, là. Bon, là, c'est pareil, hein. J'ai pas augmenté la vitesse. Et regardez-moi ce shekel. Puis en plus, je mets 2 ans à me débloquer, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a du level, c'est tout. Ah, ça va, t'es pas loin. C'est bien, ouais. Je peux montrer au moins comment t'avances. Faut pas que je nique la Beatles, ça. Hop. Putain, pour une fois, je conduis bien, sérieux? Ouais, pour une fois. D'habitude, c'est toujours moi qui est devant. Enfin, souvent. Pendant l'entraînement, il n'y a qu'une course où t'as fini devant. Oh non, la déception! S! Là, tu t'es planté. Oh putain, j'ai failli me planter. Oh, que beau virage. Ah bah, le mien, je l'ai pas mal négocié non plus. Mais les 4x4, on a l'habitude de les conduire. Oh, merde. Merci, ma couille. C'est le jeu. Que voulez-vous? Putain. Je me suis fait entuber. Ah bah là oui. Collégialement. Et où? Bah au biogaz. Déjà? Ouais, je suis dedans là. Ça y est, je suis dedans là. Juste. Ah puis je me replante. Donc c'est niqué là. Ah bah je peux prendre mon temps pour faire mes virages. Ça va. Ah bah t'es pas loin quand même. Regardez-moi cette conduite professionnelle. Par rapport à l'autre, par rapport à l'autre avec son 4x4 bleu. Parce que oui, il y a une équipe rouge et une équipe bleue. Enfin, Lucas est en bleu, moi je suis en rouge. Non. Quoi, il s'est encore retourné? Je suis encore vautré là. Il y a du level, ouais, tu disais bien. T'as raison. Il y a du level. Putain, début de course là, je te mettais la pâtée. Et le pâté, il s'est retourné, le pâté. Le pâté, il est cuit. Ah là, c'est du pâté farci là. Ah oh, putain, le chacal où il est passé comme un diocèse. Ça, c'est l'endroit le plus chaud de toute la planète. Oui, c'est l'endroit le plus chaud du parcours en fait. Une fois que t'as passé ça, c'est bon, t'es tranquille. Je sais pas que c'est quelle idée de faire ça. Ouais, franchement, je sais pas. J'ai fait le début du parcours, Lucas a fait la fin, enfin à partir de... Il est pas futé ce garçon. À partir du biogaz. Déjà le biogaz c'est moi qui lui dis de faire les virages de bâtard. À partir du biogaz c'est lui qui a fait le parcours, moi j'ai fait avant. Puis j'ai fait le village aussi. Ah oui, le village c'était une bonne idée. Le village c'est... Et puis tout placement de tremplin et c'est toute la faute à Maxicam. Ouais, ça c'est moi, ça c'est... Allez, appuie sur champignon, voiture. Ah, ça roule à 82, c'est déjà pas mal, 83. Allez, Titine, allez, Titine. Bon, allez, j'arrive dans le village, moi. Allez, Titine, allez, Titine, allez. Ouais, c'est chaud. Ah, je me suis planté. Yes. T'as une chance. Non, moi aussi. Ah, bon, bah t'as pas de chance. Ah non, je suis pas planté, putain, le redressement. Oh. Bah, moi, je me suis déplanté, mais... Mais là, sortir du parcours, quand même... T'es un bon. Hop. Bon, allez, je roule. Eh, il est pas long derrière. Il me suit de près, attention. Ah, je crois que c'est fini, là. Oui, on arrive au bout, là. De toute façon, on arrive au bout du parcours. C'est fini, toi, papito. Bon, allez, je peux prendre mon temps. Enfin, peut-être pas trop, quand même. Oh, pop. Légende de la bagnole. Bon, allez. Hop. GG. Gagné. J'ai gagné. Oh, le bourrin. Oh, le bourrin. Quoi, le bourrin? Et il arrive comme un gland par la fenêtre du chanchon. Hop. Et bam, dans le poteau. Putain, le 2. Oh.
J'ai envie qu'on se refasse une course. Je sais pas ah pourquoi. Ah, on refile. La Allez, belle. Une petite dernière pour la vidéo. Ah, attends, je suis dans le rouge. Allez, je prends le man. Donc oui, en man. Donc là, avec les man, c'est une idée que j'ai eue, on va dire, un quart d'heure avant la vidéo. On les a donc jamais essayés. C'est la première fois qu'on les essaye. Donc c'est ceux de base dans le jeu. Il n'y a rien de triché, là, il n'y a rien du tout. Ça, par contre, c'est pas cheaté. Ça existe en vrai, les courses de camion. Oui. Bah, comme les courses de tracteur. Oui. Ça s'appelle du tracteur pooling. Allez. Oh. Oh. Le démarrage canon. Putain, là, ce qu'il y a de bien avec ces trucs, c'est que c'est pas maniable du tout. Enfin, c'est... En fait, c'est pas des directions de course. Ah, le blocage. Oui, on est bloqué, là. Hein ? T'es pas bloqué, j'espère. Non, mais si tu recules un coup... Bah, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Ah bon ? Sauf que j'arrive pas à reculer. Attends, attends. Ah, ça y est, c'est bon. Le mythomane. Je crois qu'on va jamais y arriver. Je vais être obligé de le laisser passer parce que je sais qu'il ne me laissera pas passer. Ah 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 peut-être. Mais non, il m'a poussé. Ah, il m'a pas lâché la tête, casse aussi. Ah. Allez, c'est bon, je suis passé. Putain, non, non, je suis descendu. Mais non, mais non. Je suis descendu du camion comme une grosse tanche. Oh putain, là, je fais de la merde. Hein, putain. Oh, putain, on aurait pu appeler ça un faux départ, Camille. C'est pas normal. Porte plainte, porte réclamation. Ouais, bah, si tu veux. Non, j'ai pas le droit, merde. J'ai l'impression que tu t'es pété la gueule sur le saut. Non. Oh, il a débloqué la butte, t'as débloqué une coccinelle. Ouais. J'ai débloqué une cox, la mienne. Ah ben voilà, voilà, bravo. Tu débloqueras la tienne en passant. Non, parce que là je suis déjà passé il y a longtemps en plus. Ouais, bon moi aussi. J'arrive dans la forêt. Je suis à l'entrée. Donc bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est complètement détente. On se fait plaisir un petit peu. Non. Ah si, c'est bon. On se fait plaisir un peu. Mais ça avance moins vite, moins bien qu'avec les bus. Je les rage quitte. Allez, je suis sorti de la forêt, pour info. Pendant que toi, tu t'arrives à la sortie de la forêt. Et moi, je vais bientôt arriver au biogaz. La course est très serrée. Je suis au tremplin du biogaz. Oh, tu te casses la gueule, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule. Je suis dans le biogaz. S'il te plaît, tu peux pas te casser la gueule. Bah, c'est dommage. Mais, bah non, j'ai pas réussi. Ah, c'est serré quand même. Tu t'es cassé la gueule? Non, non. Bah attends, t'es juste en face de moi, c'est vrai. Non, casse-toi la gueule. Oh non, putain, le retournement du volant là. Ah, je l'ai mal maîtrisé. Je vous précise que aujourd'hui je conduis au clavier. Et donc que peut-être apparemment pour une conduite clavier, c'est le moment, hein, je me plante. Pour une conduite clavier, j'ai une pas trop mauvaise conduite, on va dire. Mais satané barrière. Toi aussi tu te les prises. Non, ça m'a fait racheter ça. Bon allez, j'arrive au moment le plus dur de la map. Surtout en camion, on n'a pas test en camion. Non, on n'a pas test. Puis en plus, sans élan. Eh oui, gros porc! Il s'est niqué! Oui, je suis ça là! C'est là que c'est le moment là! C'est ici qu'il faut y aller, mon garçon! Non! Mais vas-y, monte! Fais toute ta puissance, j'en ai la plus! Allez! Allez! Écoutez-moi ça un peu! Allez, Titine! Non! Oh oui, non! Oh putain, qui c'est qui a placé cette abeille là? Putain, je vais appeler le mec qui fait du miel, je vais le défoncer le mec, je vais lui faire bouffer tous ses pots avec le miel à l'intérieur. Allez là, putain! Il avance pas ce camion là, il est pas débridé, je suis sûr. Mais t'avais qu'à prendre un camion rouge, hein!
Toi là-bas, je te prierai de te taire. Surtout que tu t'es planté en plus. Non, non mais faux, je me suis pas planté, non. Je suis dans ma chasse, ça fait un chasse, toi. Et vas-y, retour de force de mes. Voilà là. Je vais. Merde, j'ai éteint le moteur. Oh oui. Oh oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sympa, ça, Camille. Ça fait partie des aléas du direct. Merde. J'ai tourné la clé. J'ai coupé le moteur. Quel boulot. T'as coupé le moteur, mais comment t'as fait? T'as posé tout. Le mec, il a posé son coude sur le clavier, comme ça, poum. C'est à peu près ça. Oh, mais qui est con qui a fait le parcours dans le village, franchement? Bah, c'est toi, hein. Bah, justement. Putain, je vais écraser le monsieur, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, madame. Je crois que j'ai fait pareil. Mais non! Qui c'est qui l'a mis, cette ruche, ici, là? C'est moi. Encore ce putain de mec qui fabrique du miel, là. Putain. Eh, voilà. On va être riche, là, on va avoir du miel. Eh, j'ai repassé la marche arrière. Quelle abruti. Allez. Je vais pas m'attendre. Ah, qu'est-ce que tu crois? Et il me demandait tout le temps de l'attendre quand on faisait les essais. Bon, c'était les essais, j'attendais, mais là, faut pas croire quand même. Faut putain, peut-être pas croire. Abusé. C'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, c'est le départ qui fait tout, sérieux. Ah non. Ah si. Bah, t'es parti en avant, c'est pas rapport à moi. Mais non, c'est toi qui m'as poussé. Bah, t'as après, poussé. Oui. T'as poussé. J'ai une meilleure accélération, c'est pas de ma faute. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, allez. Bon, bah voilà, hein. Et il se plante en plus. Non mais regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça un peu. Bon, sur ce, ça va, tu rages pas trop? Moi je me casse dans la forêt, j'ai rien à foutre. Je peux me faire bouffer par les loups. Rien à secouer, hein, je me beurre. Allez, je rage qui? Bon, t'es où? Je suis parti. C'est bon, je te vois. Wouhou. Bon, allez, sur ce, dites-nous ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas, oui, à dire un truc. Et puis, sur ce, donc on espère qu'on vous a bien fait rigoler parce que nous, ça nous plaît. Et puis, sur ce, on vous dit donc à dans 2 jours. Allez, salut les amis. Salut.